L'idée du programme, c'est les héros de l'ombre, c'est-à-dire ce sont tous des héros, mais qui sont moins dans la lumière et dans la célébrité des rôles-titres en opéra. Voilà. Et je pense que dans ce sens-là, c'est un disque qui est très rare, parce qu'il va réunir plus d'une douzaine d'airs de second rôle, même de troisième rôle, même parfois de petits rôles qui arrivent et qui ont juste un air à chanter, et dont le public ne se souvient pas forcément de prime abord. J'ai pris le temps de relire tous les opéras de Handel pour me rafraîchir la mémoire. Alors, dans des ouvrages que j'ai beaucoup chantés, il y a des premières aussi, par exemple, L'Aure che spira, c'est un air que je connaissais, qui est extrait de Jules César, et qui, normalement, dans la version habituelle, est chanté par Sesto. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte qu'Handel avait écrit une version alternative de cet air, qui, du coup, est transposée un ton en dessous, plus grave, et attribuée à Cornelia. Donc encore un second rôle, troisième rôle même dans l'ouvrage Jules César. Ça c'est aussi un air, je crois, qui n'a pour le coup jamais été enregistré dans la version pour Cornelia. Un air qui est magnifique aussi, que j'ai découvert vraiment en faisant les recherches, qui est écrit avec clarinette. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire parce que moi, je ne savais pas du tout personnellement, malgré ma connaissance de Handel, qu'il avait écrit un air avec clarinette. C'était vraiment les tout débuts et ça donne une couleur assez magique. Je suis aussi très contente de faire le duo avec Philippe Jarouski parce qu'on a fait une grande tournée en décembre ensemble. On va reprendre la tournée, on aime beaucoup chanter ensemble. Et on finissait toujours notre concert en fait avec ce duo de Sesto et Cornelia. Pour compléter les airs dans le programme, plutôt que de laisser les récitatifs qui finalement me semblent dans le cadre d'un récital d'air d'opéra un peu déplacés parce qu'on parle de tas de personnages dont on ne connaît pas l'histoire puisqu'on n'a pas suivi tout l'opéra. Donc j'ai pas voulu inclure de récitatifs dans le programme. En revanche, comme à mon habitude, j'ai choisi des symphonias aussi, toutes extraites bien entendu des opéras de Handel, qui feront les connexions, qui serviront de connexion, d'atmosphère, pour relier les airs entre eux, et puis pour aussi reposer un peu l'oreille de la voix et écouter uniquement les instruments, c'est très important. Handel écrit vraiment beaucoup de notes, beaucoup de choses, mais en fait il donne très peu d'indications musicales. C'est très rarement, de temps en temps, il marque ici, forte, ici, piano. Mais justement, ce qui est merveilleux, c'est que c'est extrêmement créatif. Vraiment, il fait confiance aux interprètes pour apporter leurs sentiments, leurs émotions, ce qu'on a envie d'y mettre, quoi, vraiment. D'avoir mon propre groupe de musiciens avec lesquels on fait un travail très suivi, qui me connaissent bien, m'a permis de développer ce projet un peu fou de vouloir associer la direction et le chant. Moi, je me suis toujours senti un instrument au milieu des instruments. Je n'ai jamais considéré la voix comme quelque chose de proéminent avec un orchestre derrière. Pour moi, c'est la musique qui compte, c'est l'harmonie, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est vrai que ça permet cette chose magique pour un interprète de construire une interprétation de la première à la dernière note. Un pianiste peut toujours faire ça, parce qu'un pianiste, il a tout l'orchestre. Quand il joue tout seul, il a l'orchestre entier, il a toutes les voix. Mais un chanteur, on n'a qu'une ligne de chant.
Et le fait d'avoir tout d'un coup tous ces instruments et de pouvoir les guider vers l'interprétation de rêves que j'ai dans mon cerveau quand je lis ces partitions, c'est à la hauteur de la difficulté, donc magique. Je les dirige toujours, mais pas forcément avec le bras. Hein. Quand je suis en train de chanter, je peux les diriger d'un regard, d'une respiration, d'une inflexion de voix. Ils comprennent, ils respirent avec moi, ils comprennent ce dont j'ai envie ou besoin à un moment donné. Puis ils sont très flexibles, ils sont habitués à m'accompagner et ils sont très ouverts aussi au changement d'humeur et de tempo et de couleur qu'on peut avoir quand on laisse quand même la part de rêve et d'improvisation. Ce qui est très important, je pense, surtout quand on fait un disque, et ce qui est difficile, de ne pas s'en tenir à juste, voilà, personne n'est intéressé de juste avoir les notes, mais ce qui est derrière les notes. Et pour ça, il faut s'abandonner.